Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte si particulier. Aujourd'hui, c'est la paroisse Terre Nouvelle qui nous reçoit dans ses locaux. Merci à toute l'équipe qui a permis de vivre et de proposer ce temps. Musiciens, chanteuses, prédicateurs, lecteurs et réalisateurs, entre guillemets. Ce dimanche a pour nom Rogate, ce qui signifie en latin « prier ». Prier, une forme d'impératif, une forme de forte incitation. Ces dernières semaines ont été éprouvantes, les prochaines le seront encore. Plus que d'ordinaire, nous avons recours à la prière. Maintenant, nous sommes encore encouragés à nous tourner vers Dieu, vers ce Dieu qui nous rejoint en Jésus-Christ. Il nous rejoint chacune et chacun, là où nous sommes. Nous sommes là avec ce qui nous réjouit et avec ce qui nous peine, avec nos espérances et nos découragements, avec ce qui en nous est lumière ou ténèbres. Le Seigneur est avec nous, avec chacun de nous. Recevons sa grâce et sa paix.
invite maintenant à suivre ou à écouter quelques versets du psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Présentons-nous devant lui en rendant grâce. Acclamons-le avec des hymnes. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans ses mains les gouffres de la terre. Les crêtes des montagnes sont à lui la mer. C'est lui qui l'a faite et les continents que ses mains ont formés. Entrez, allons nous incliner et nous prosterner à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau qu'il garde. Amen. Rendons grâce au Seigneur de la vie pour tous ses dons. Il a tout fait, et tout ce qu'il a fait, il l'a donné. Grâce lui soit rendue. Ne dites pas, il donne et puis retire. Il donne et donne encore. Il a tout fait, sauf le mal et la mort. Il a tout fait, et tout ce qu'il a fait, il l'a donné. Béni soit-il. Voici venu le temps pour déposer nos péchés. Oui, osons utiliser ce mot qui marque bien ce qui nous sépare d'avec Dieu. Je vous invite à prier avec les mots d'André Dumas. Seigneur, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses, qui ne trompent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments, qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et les tournants qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Dieu nous pardonne. En Jésus-Christ ressuscité, il nous offre la réconciliation et la paix. Enfants libres et bien-aimés, mettons notre confiance en Dieu et trouvons notre joie en Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 15, le texte proposé pour ce jour et qui servira à la prédication. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Notre Père. C'est une toute petite chose monumentale. Pensez donc, un texte qui doit être prononcé au moins 1 milliard de fois chaque semaine, si on pense qu'il y a 2 milliards et demi de chrétiens dans le monde, dont plus de la moitié ont une pratique régulière, et donc le disent au moins une fois par semaine. Il est à la fois un texte tellement simple, connu par tous et inépuisable. S'il fallait le comparer, je dirais qu'il est le contraire du chewing-gum. Le chewing-gum, en effet, à force de le mâcher, finit par perdre sa saveur, assez vite d'ailleurs. Et notre Père, ce serait plutôt comme du sel. Le sel qui conserve sa saveur indéfiniment, qui ne peut pas la perdre. Et notre Père est un marqueur identitaire depuis les premiers siècles du christianisme. À ses débuts, il faisait partie de ce qu'on pourrait appeler un pack du baptisé. En effet, le candidat au baptême, et donc celui qui souhaitait devenir chrétien, on lui demandait de suivre tout d'abord un catéchisme, de confesser le credo. Ce n'est qu'ensuite qu'il pouvait être baptisé et à ce moment-là seulement, il pouvait participer à la Sainte Cène et dire le Notre Père avec la communauté. C'est dire l'importance que ce texte a toujours eue depuis les débuts du christianisme. Une importance que les plus grands théologiens y ont vue, ils lui ont consacré des bibliothèques de traités, de commentaires. Mais c'est aussi un texte accessible, qui a toujours été accessible pour tous, aux plus humbles, aux moins savants, qui y trouvaient une nourriture en le prononçant lentement le soir en s'endormant ou le matin en se réveillant. Et aujourd'hui toujours, pour beaucoup de personnes, c'est un guide ou un modèle pour la prière personnelle. À la fois pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas prier, ou bien pour ceux qui trouvent dans cette prière que là est, que celle-ci contient tout ce qui peut être à Dieu. Une prière complète qui suffit pour s'adresser à Dieu. Je crois d'ailleurs que ces derniers ont probablement raison en cela, mais nous le verrons plus tard. Notre Père a toujours été aussi un trait d'union entre les croyants, comme
Autrefois, lorsque le dimanche, les cultivateurs qui étaient pris par les travaux des champs ne pouvaient pas assister au culte, mais au moment où les cloches sonnaient dans le village pour dire que la communauté rassemblée était en train de prier le Notre Père, ils posaient alors leurs outils pour s'associer à cette prière avec la communauté. Un peu comme nous en ce moment, ou ce que nous avons vécu le 25 mars dernier, lorsqu'à l'appel du pape François, nombre d'églises dans le monde, dont notre église protestante d'Alsace et de Lorraine, se sont associées pour dire ensemble à notre Père, à midi. Comme les paysans d'antan, il n'était pas possible de s'associer en présence réelle à des cultes, mais néanmoins, il a pu servir ainsi à unir, ou à dire l'union entre tous les chrétiens et plus largement encore. Enfin, quel aumônier, quel pasteur, quel croyant tout simplement n'a pas vécu à des moments de sa vie des moments tellement touchants, en disant le Notre Père dans une chambre d'hôpital avec une personne inconsciente, aphasique ou en fin de vie. Le Notre Père était alors, à ce moment-là, un trait de communion entre les personnes réunies. Dimanche dernier, le thème de notre culte était l'Église chantante. Et aujourd'hui, il nous est proposé de méditer ou de célébrer ce culte autour du thème de l'Église priante. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous quelques réflexions à partir du Notre Père. Nous demander qu'est-ce que prier, ou qu'est-ce que nous dit cette prière de la prière. Et puis, dans une deuxième partie, qui est ce Dieu à qui nous adressons notre prière? D'ailleurs, si on prend l'évangile de Luc, qui nous présente une des deux versions du Notre Père, il nous est dit que Jésus va prononcer le Notre Père en réponse à une telle question. Il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut terminé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et c'est alors que Jésus va dire le Notre Père. Je proposerai, pour entrer dans ce texte, de le prendre dans un premier temps mot par mot, pour essayer ensuite d'en tirer quelques hypothèses. La première chose qui m'apparaît, lorsque je dis les mots les uns après les autres, c'est le caractère déroutant de ce texte. Je vous propose de faire l'expérience. Notre, c'est le premier mot. Mais pourquoi notre Père et pas mon Père? Je m'imagine seul dans ma chambre, comme Jésus m'y invite d'ailleurs, et je dis notre. Cela me dit peut-être que cette prière a pour intention de me mettre en lien déjà avec d'autres. Je ne suis plus seul dans ma chambre, je suis en communion avec tous les croyants, tous les chrétiens du monde. Cela me dit aussi que ma prière, qu'aucune prière ne peut être solitaire. Même si je suis au plus profond du gouffre, affecté peut-être par la maladie, séparé de mes proches. Lorsque je dis nous, je suis en communion avec d'autres. Puis je me dis aussi, lorsque je dis notre Père, que ce que je vais dire ne concerne pas que ma seule vie individuelle, mes besoins personnels peut-être égoïstes, mais que je suis un être de lien. Je sais déjà, lorsque j'ai dit notre, que si ma préoccupation dans ma prière était la pluie qui manque à mon potager et que j'aurais imaginé prier Dieu pour qu'il pleuve, je me dis aussi que la même pluie pourrait inonder la terrasse de mon voisin qui lui avait prévu un barbecue.
Je comprends que celui à qui j'adresse ma prière n'est pas que mon petit Dieu personnel à moi, il n'est pas ma propriété, il est le Dieu de tous. Et je comprends donc la dimension double de cette prière, à la fois personnelle et communautaire. C'est probablement pour cela que cette prière deviendra celle dominicale, celle du dimanche des communautés chrétiennes rassemblées. Il s'agit de ne rien demander, de ne rien attendre, que je ne souhaite aussi pour les autres. Le Notre Père, ainsi, est une sorte de classe action chrétienne où je deviens le porte-parole, le porteur de préoccupations collectives. Je ne sais plus qui remarquait récemment, aujourd'hui, l'individu a pris beaucoup plus d'importance que le collectif, et c'est dangereux. Hier, c'était l'inverse. Hier, le collectif avait tendance à écraser l'individu. Souvenons-nous de la phrase de Caïphe devant Jésus, juste avant la crucifixion, « Il est plus avantageux pour vous qu'un seul homme meure, pour que le peuple entier ne meure pas. » Mais aujourd'hui, à l'inverse, l'individualisme morcelle à l'extrême les sociétés qui finissent par se tribaliser jusqu'à devenir un puzzle de revendications personnelles extrêmement difficile à rassembler et à gouverner. Ma prière, je la formule en notre, elle se veut toujours collective et non pas individuelle. C'est pour cela que tout le texte est dit à la première personne du pluriel. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas entrer en tentation. Père. Le second mot est Père. Dieu, nous dit Jésus, est Père. Alors, il n'invente pas la notion d'un Dieu Père. La tradition juive l'utilisait déjà. Le christianisme n'en a pas l'exclusivité. Mais Jésus fera du Père l'image principale de Dieu pour les chrétiens. Je ne voudrais pas entrer dans les débats sur la masculinité de cette figure, ce qu'elle peut renvoyer de négatif si on y projette l'imperfection des paternités humaines ou bien son caractère patriarcal. Notons simplement ce qu'en dit le théologien Élian Cuvillier qui le commentait. Il disait « Dieu n'est pas un homme par différence d'une femme. Ce qui est mis en scène ici, c'est sa fonction paternelle. Il parle, il fait alliance, il s'implique dans l'histoire des hommes. Aujourd'hui, une femme peut tout à fait occuper ce rôle. » Alors par notion paternelle, nous n'entendons donc pas un homme, mais des fonctions. La première de ces fonctions, c'est que le Dieu Père me transmet une identité qui est source d'une grande liberté. Parce que me situer comme enfant de ce Père divin, comme toi, comme nous tous, me donne un ancrage et une grande liberté. Je suis français, je suis alsacien, j'habite en Alsace. Je suis protestant, je suis d'une famille particulière dont je porte le nom, mais aucune de ces identités, je ne m'y enferme. Aucune de ces identités ne doit me séparer de toi, qui en aurait une autre, qui serait d'une autre famille, d'une autre nationalité, d'une autre région, d'une autre religion. Et en même temps, mes identités, je n'ai pas besoin de les rejeter. Parce que je sais qu'il y a une identité qui les transcende toutes ou qui est fondatrice, fondamentale en moi, qui est première, c'est que je suis l'enfant de ce Père qui est aussi le tien, qui est celui de nous tous. Et toutes mes autres identités sont, elles, plus relatives. La deuxième fonction paternelle, c'est sa dimension affectueuse. Si beaucoup, comme beaucoup le supposent, le mot original qu'aurait prononcé Jésus était un mot araméen, « Abba »,
qui veut dire « papa ». Aujourd'hui, on pourrait y entendre même, d'ailleurs, « maman ». Troisième caractère de cette fonction paternelle, il dit une proximité ontologique, c'est-à-dire dans l'essence de ce que je suis entre Dieu et moi. On pourrait dire que dans mon ADN, il y a une part d'ADN du Père, comme il y en a en chacun de nous. Mais seulement une part, parce que la proximité n'est pas confusion non plus. Je tiens de mes parents, mais ce n'est qu'une part d'eux qui est en moi. Et la fonction du parent n'est pas de faire de moi leur clone, d'être exactement eux, mais de m'aider à croître, à acquérir mon autonomie et ma liberté pour un jour partir. Si j'ai de Dieu en moi, je ne suis pas Dieu. C'est pour cela qu'il y a la suite. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est très proche de moi comme Père, mais en même temps, il est dit lointain et inaccessible. Un père de l'Église, Jean Chrysostome, dira « L'intervalle qui sépare l'homme de Dieu n'est pas moindre que celui qui sépare l'argile et le potier. » Ou plutôt, il est incomparablement plus grand. Dieu aux cieux est comme une limite fixée à l'excès de proximité induite par la notion paternelle. Saint Augustin le remarquera aussi, parlant de notre distance à Dieu comme plus intime que l'intime de moi-même et plus élevée que les cimes de moi-même. Dieu aux cieux, cela me dit que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de Dieu, ce n'est pas à moi de le nommer, je ne peux pas me l'approprier, je ne peux même pas le situer. Les cieux, ce n'est pas le ciel, c'est l'inaccessible. On sait que chacun, à son goût, dira que lui trouve Dieu dans la nature, dans l'Église, dans le Saint-Sacrement, ou au haut d'une montagne, ou dans l'intime du cœur de l'homme. Ou bien encore dans un projet politique, Gott mit uns. Soit, chacun peut penser ce qu'il veut, se dit-on souvent. Mais je trouve ça très prétentieux. Pour ma part, tout ce que je sais, c'est que Dieu vient là où je suis, parce qu'il est Père, mais lui est là où moi je ne peux pas aller. Ce n'est pas moi qui ai à le trouver, c'est lui qui vient me trouver. Que ton nom soit sanctifié. Dieu a un nom, mais ce nom est mis à part. C'est le sens du mot sanctifié, qui ne ressemble à aucun autre, différent de tout ce qui est connu. Le nom de Dieu n'est pas comme les autres noms. D'ailleurs, la tradition juive y tient farouchement, et je crois avec raison, en refusant de nommer Dieu et même de toucher son expression lorsqu'ils lisent les rouleaux sacrés de la Torah, de les toucher avec le doigt. Ils utilisent ainsi une sorte de petit guide ou réglette en forme de doigt pour suivre la lecture. Le nom de Dieu est sanctifié. Cela dit aussi que ce n'est pas moi qui le nomme. Choisit-on de nommer ses parents ? Je ne peux, pour parler de Dieu, qu'employer des surnoms, des symboles. Il est comme un père, comme un seigneur, comme un rocher, comme la lumière. Et puis, cette mise à part de son nom, cette sanctification du nom, c'est aussi une invitation pour nous à mettre du temps à part pour lui. Du temps auquel les activités qui nous suroccupent ne devraient pas avoir accès. Je lui réserve du temps, un temps pour le culte, comme à cet instant pour vous qui nous regardez, ou un temps de prière que je réserve à un moment de la journée, un temps vraiment gratuit, du temps sanctifié,
du temps accordé à l'inattendu. Est-ce que je peux arriver à accepter que je ne sois pas le maître absolu de mon temps et à laisser de la place à l'inattendu ? Que ton règne vienne. L'idée est la même. Le règne, on pourrait le traduire par la présence de Dieu dans le déroulement de son existence. C'est la place qui lui est accordée. Et ce règne, il veut se manifester par son projet de justice et de paix pour nous. Mais ce règne est dit à venir, que ton règne vienne. Il n'est pas encore établi. Le royaume est encore à venir. Ainsi, comme nous le disions à l'instant, si j'ai déjà rempli complètement mon agenda pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine prochaine et pour les années à venir, par mes projets personnels, par mes désirs, quelle place va-t-il rester pour l'irruption du royaume totalement nouveau et certainement encore impensé de Dieu ? Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Alors le mot qui est employé dans le texte originel pour dire « ce jour » a une particularité. C'est un mot grec « épiousios » et sa particularité, c'est en fait que c'est un mot inconnu. Comme le nom de Dieu, en fait, personne ne sait exactement ce qu'il signifie. Il y a des suppositions, bien sûr, mais c'est un mot qu'on ne trouve ni dans la Bible, ni même dans toute la littérature grecque antique. Un mot probablement qu'aurait inventé Jésus pour la circonstance de cette prière. Les Églises ont choisi de le traduire par le pain de ce jour ou le pain quotidien dans des traductions un peu plus anciennes, en référence à la manne qui tombait du ciel chaque matin au moment où Moïse avait accompagné la sortie du peuple hébreu hors d'Égypte, la manne quotidienne, mais qui ne pouvait pas être conservée. Et il y a une seconde tradition qui remonte, elle, au moins au IVe siècle de notre ère, dans la première traduction en latin de la Bible par saint Jérôme, que l'on appelait la Vulgate. Lui, Jérôme, traduisait ce jour par le mot « supersubstantiel », ou aujourd'hui nous dirions « essentiel ». Donne-nous le pain de ce jour peut être compris comme « donne-nous le pain essentiel », c'est-à-dire « donne-nous ce dont nous avons besoin pour vivre », non pas ce que nous désirons, non pas ce dont nous pensons avoir besoin, mais ce dont toi, Dieu, tu sais dont nous avons besoin. Si je reste dans le registre de la métaphore d'un père avec son enfant, je me dis, un père sait a priori mieux que l'enfant ce dont celui-ci a besoin pour se nourrir. Alors vous vous direz peut-être, mais est-ce que ce n'est pas un peu infantilisant ? Je ne crois pas, je crois que c'est plutôt un équilibre devant Dieu. Devant l'immensité des questions existentielles, devant l'ultime ou l'absolu, je me reconnais comme un enfant. Devant le monde entier, devant la complexité de l'existence et des relations humaines, je me reconnais dépendant. Je me reconnais faire partie de cette grande famille compliquée qu'est le monde ou qu'est l'humanité. Et cela me donne une responsabilité et une maturité que je peux trouver dans la simplicité de cette prière. Et puis cette demande, comme toutes celles qui ont précédé, est aussi étonnamment paradoxale. Parce que finalement, qu'est-ce que nous demandons à Dieu en disant « donne-nous le pain de ce jour » ? Nous lui demandons qu'il nous donne ce que lui jugera bon. On pourrait dire que ce que nous prions, c'est « donne-nous ce que nous ne demandons pas ». Jésus retourne la façon dont nous comprenons la prière. Lorsque nous disons « donne-nous notre pain essentiel », nous disons « donne-nous ce que nous ne demandons pas ». Et Léon Cuvillier encore,
disait la prière du Notre Père n'est pas une demande d'objet susceptible de combler, mais une confiance absolue dans celui qui, comme autrefois au désert, nourrit son peuple au jour le jour. Et il donne comme contre-exemple un épisode amusant dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin que notre texte. Il le nomme l'anti-Notre Père. Cet épisode, c'est le jour où Jacques et Jean vont venir auprès de Jésus, accompagnés de leur maman, et c'est elle, leur maman, qui va demander pour eux à Jésus « Ordonne que mes deux fils que voici soient assis plus tard dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » La prière de cette mère, peut-être un peu abusive, n'est même plus une demande, c'est une injonction. Jésus lui répondra « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » La prière ou la leçon de prière telle que nous pouvons donc la recevoir du Notre Père, c'est que prier n'est pas demander, mais c'est me placer en situation de recevoir, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, les mains ouvertes devant lui. C'est ce que dit Jésus dans son introduction au Notre Père. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Non, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Et puis, dans une deuxième partie, j'aimerais m'arrêter sur la seconde leçon de théologie que Jésus fait à ses disciples. Elle concerne celui à qui s'adresse la prière. Ce Dieu, comme le dit le titre de cette prédication, qui n'est pas un Dieu. Oui, Dieu n'est pas Dieu, nom de Dieu. Si je récapitule. En effet, ce Dieu n'est pas mon Père, mais il est notre Père. Il nous est dit dans la Bible que nous sommes faits à son image, mais il nous est dit aussi que nous ne pouvons pas voir son image, nous ne pouvons pas connaître son image, nous ne pouvons pas voir l'image de Dieu et vivre. Et pourtant, nous lui ressemblons. Il est proche, tout proche, mais il est aussi aux cieux, lointain, très lointain. Il a un nom, mais ce nom est sanctifié, mis à part de tous les autres noms. Il règne, mais pas encore, sur la terre comme au ciel. Jésus nous disait à un autre moment, son royaume, il règne, mais n'est pas de ce monde. On vous dira, il est ici ou il est là, mais moi je vous dis, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Peut-être que ce règne ne viendra que par le nous de la prière, parce que ce n'est qu'au milieu de nous que peut intervenir sa justice. Il n'y a pas besoin de justice pour des personnes totalement seules. Certains rêveraient peut-être de vivre totalement isolé et indépendant, sans se frotter aux autres, au péché, à l'injustice, au mal, se disant que tout serait plus simple si nous restions confinés, à l'abri, à l'écart, protégés du monde et des autres. Seulement, pour qu'il puisse y avoir royaume de Dieu, c'est-à-dire que pour que la vie soit possible, il faut un « nous ». Je fais partie d'un nous. Finalement, le Dieu que dessine Jésus est un Dieu qui nous échappe toujours, tout en se rapprochant de nous. C'est un peu comme la savonnette dans la baignoire. Lorsque je crois l'avoir saisie, elle me glisse des mains. Ce Dieu, nous le rencontrons par la Bible, nous lui parlons par notre Père, mais en même temps, nous n'avons jamais fini de le chercher. Ce Dieu qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas un Dieu comme ce que nous pensons être un Dieu, c'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que les théologiens ont souvent appelé le Dieu tout autre, ou le Dieu transcendant. Prier le Notre Père, c'est me placer en face d'une altérité
d'une transcendance qui toujours échappe à mes certitudes et que je ne peux rencontrer que par la confiance. Mais par la confiance, je sais aussi que je le rencontrerai immanquablement. Et en fait, croire en l'altérité radicale de Dieu, dans ce Dieu tout autre, va transformer complètement mon rapport au monde dans lequel je vis. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si je crois en un Dieu totalement autre, que je ne peux pas situer dans l'espace ni dans le temps, cela va démagifier la manière dont je comprends le monde. En effet, qu'est-ce que c'est que la magie ? La magie, c'est croire en un pouvoir qui pourrait s'exercer sur le monde et ses éléments matériels. C'est d'ailleurs une croyance qui est commune à la fois, on peut le remarquer, aux athées comme aux religions. En effet, tous deux croient ou prétendent croient pouvoir exercer un contrôle sur les éléments matériels du monde et sur la compréhension de ce qu'est l'homme. Tous deux se situent de la même manière dans le registre de la connaissance et du savoir absolu. Je simplifie bien sûr beaucoup dans la mesure où il n'y a pas d'athéisme pur ou de religion pure. Elle comporte toutes les nuances et tous les doutes envisageables. Mais je parle de leur principe même. Leur principe, ce serait de poser un discours clos, un discours certain. Or, devant le Dieu tout autre, le Dieu indiscernable, le Dieu inenfermable, tout ce que je peux dire, c'est que je sais bien peu. Mais je crois que lui sait. Ensuite, l'altérité de Dieu me permet aussi de reconnaître à la fois l'humanité comme finie, la finitude humaine, je ne suis pas immortel, et en même temps je crois en l'éternité, et ce n'est pas une contradiction. Je crois que le ciel est ouvert, mais il est sanctifié. Cela veut dire il est ouvert, mais inaccessible à mon savoir, inaccessible à ma connaissance, inaccessible à ma description, sauf par le langage poétique, qui est aussi celui de la foi, et par la voie de l'espérance dans les promesses qui ont été ouvertes au matin de Pâques. Lorsque les femmes arriveront au jardin, on leur dira « Vous cherchez Jésus qui a été crucifié ? Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Voilà tout ce que je sais. Reconnaître l'altérité divine, c'est encore me situer comme un enfant devant un père, c'est-à-dire reconnaître que je ne suis pas tout, que je ne sais pas tout, que j'ai à apprendre encore. Et en même temps, je me sens en confiance, en sécurité et aimé. Je n'ai pas peur de ce que je ne sais pas, de ce que je ne connais pas. Reconnaître l'altérité divine de ce Dieu qui n'est pas un Dieu, me dispense finalement de choisir entre les registres de la preuve ou de la non-preuve. Je me dis, Dieu ne se prouve tout simplement pas. Et les débats sur l'existence ou la non-existence, sur l'efficacité ou la non-efficacité de la foi et de la prière ne me concernent tout simplement pas. Avec le Dieu altérité, et c'est ce qui est extraordinaire, je suis à la fois croyant comme les croyants, agnostique comme les agnostiques et athée comme les athées. En effet, avec les athées, je suis d'accord pour dire que Dieu ne peut pas se prouver scientifiquement. Avec les agnostiques, je suis d'accord pour dire qu'il y a bien des choses, peut-être même toutes, que je ne sais pas, que je ne connais pas de Dieu. Et avec les croyants, je suis d'accord pour dire que le ciel est ouvert à quelque chose, à quelqu'un, que je nomme Dieu à défaut d'un autre mot, parce qu'il faut bien des mots, même pour évoquer l'innommable.
Mais à contrario, avec les athées, je ne suis pas d'accord pour affirmer qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y ait rien au-delà de l'horizon, que la mort serait la fin de tout, que l'espérance serait une illusion. Avec les agnostiques, je ne peux pas me satisfaire de l'indifférence. Je ne peux pas me satisfaire de croire sans continuer à étudier, à chercher, à prier. Et avec les croyants, je ne peux pas me satisfaire du mot Dieu dont je suis conscient qu'il ne le nomme qu'imparfaitement, et je ne peux pas me satisfaire non plus de croire que mes rites, mes traditions pourraient suffire à dire et à enclore Dieu. Dieu est toujours à la fois beaucoup plus et beaucoup moins que ce que j'en crois, que ce que j'en dis. Je crois en fait en quelqu'un ou en quelque chose que je nomme Dieu par commodité, même s'il est à la fois autre chose et autrement que ce que nous nommons habituellement Dieu. Un théologien, Raphaël Picon, disait « Quand je dis Dieu, ce n'est déjà plus Dieu que je dis. » Si la science, si la raison, si la logique, si les expériences personnelles pouvaient prouver Dieu, alors Dieu ne serait plus Dieu. Si moi, petit homme, j'étais capable de me mettre au niveau de Dieu par mon intelligence, alors je n'aurais plus besoin de lui. Une foi qui se démontrerait ne serait plus de la foi, c'est-à-dire de la confiance, mais elle deviendrait une certitude. Or, il n'y a pas de foi là où il n'y a pas de possibilité de ne pas croire. La foi ne peut toujours être qu'une liberté, qu'un choix personnel. Je ne peux donc pas prouver Dieu, je ne cherche pas à le prouver, et je sais que je ne le prouverai jamais. Je m'extrais de ce débat pour continuer à chercher ce Dieu qui demeurera toujours, je le sais, inconnaissable, improuvable, incomparable, immaîtrisable et inenfermable. Et pour le chercher, je sais que je n'ai pas besoin d'aller chercher où seraient les cieux, mais qu'il me suffit de partir à sa rencontre, là où je suis, et que je le verrai apparaître, au détour du désert peut-être, qui sait, et qui sait, sous l'apparence peut-être d'un petit buisson qui brûlerait dans un coin. Mais nous pourrions nous demander, pour terminer, comment peut-on croire, avec toutes ces incertitudes qui en fait pourraient être déstabilisatrices? N'avons-nous pas besoin de certitudes? Je crois qu'il n'en est pas besoin parce qu'on rencontre Dieu d'abord par l'expérience, par sa fréquentation. Ainsi, à force de creuser ce vieux texte biblique, comme aujourd'hui nous le faisons avec cette petite chose qu'elle est notre Père, nous voyons que nous ne cessons d'exhumer, de trouver des traces du passage de ce Dieu dans l'histoire du monde et dans l'histoire de ma vie. Et puis, la quête de ce Dieu tout autre s'appuie sur la foi et sur la confiance dans une promesse, la promesse qui est dans ma prière, qui demande à Dieu l'essentiel dont j'ai besoin et que cette promesse sera entendue. Cet essentiel consiste en le dépouillement de moi-même. Non pas un dépouillement de mes biens, parce que ce serait encore un fruit de ma volonté. Non pas non plus dans un dépouillement de ma personnalité, ou de mes sentiments, ou de mes émotions, ou encore de mes désirs. Il ne s'agit pas de me métamorphoser en une sorte d'ange éthéré ou un Bouddha désincarné qui serait encore là le fruit de mon imagination. Non, le dépouillement de ma prière à Dieu, c'est le dépouillement de toutes mes demandes et de toutes mes certitudes qui se font pauvres. C'est me remettre en confiance à Dieu jusqu'à pouvoir arriver à dire « je crois pour rien ».
On ne choisit pas de croire comme on choisirait sa voiture, en fonction de l'économie de carburant qu'elle va me permettre, ou du prestige qu'elle va me procurer, ou du confort qu'elle va m'apporter. La foi n'est pas non plus une épargne retraite, ni une assurance maladie, ni évidemment un investissement en bourse. Elle n'est pas non plus une solution de bien-être, elle n'est pas une méthode pour me soulager du stress de la vie moderne. Elle n'est toujours pas une vérité philosophique supérieure aux autres, ni le projet politique idéal. Tout simplement, Dieu ne s'explique pas, ne se justifie pas, ne se prouve pas. Il ne te donnera pas de stock option, il ne prolongera pas ta vie. Ce n'est que lorsque nous arriverons à accepter cela, lorsque nous pourrons dire à Dieu en toute simplicité et confiance ces quelques mots, que ta volonté soit faite, que nous permettrons à Dieu d'être vraiment Dieu. Dans l'ordinaire de nos célébrations, dans nos cultes, il y a le temps de l'offrande, ce temps où nous donnons à Dieu une part de ce que nous recevons de lui et de notre travail. Je vous invite donc à réfléchir à l'issue de ce culte, de quelle manière chacune et chacun nous pouvons faire offrande à Dieu, en temps de prière, en service auprès d'un proche, en argent envoyé à la paroisse, ou pour une action solidaire. Mes chers frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver pour chanter des louanges à l'Éternel. Bien là, c'est une chanson d'amour à l'Éternel. Pourquoi ? Ben, Dieu nous aime, et nous aussi, nous pouvons lui exprimer notre amour. Cette chanson s'appelle tout simplement « Mon cœur t'adore ». Allez, ben, d'abord vous écoutez bien la mélodie, et après vous chantez avec moi. Merci, super. Thank you.
Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Accorde-nous d'unir notre prière à la tienne pour que ton règne vienne. Nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous, en particulier dans ce temps de crise. Nous te prions pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l'humanité, qu'ensemble, ils trouvent de quoi affronter cette épidémie qui nous touche, qui affecte nos proches et qui atteint le monde entier, toute l'humanité. Rends-nous solidaires de celles et ceux qui souffrent aujourd'hui ou qui auront du mal à vivre les conséquences de cette crise demain et dans les mois qui viennent. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, mais aussi sur leur lieu de travail, pour ceux qui sont sans emploi ou qui vont l'être, que leur dignité soit respectée. Pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires de leurs souffrances. Pour les enfants qui connaissent l'abandon, qu'ils trouvent paix auprès de ceux qui les accueillent. Pour l'Église, qu'en elle, nous soyons des signes de l'amour fraternel, encore plus en ce moment et davantage dans les temps qui viennent. Enfin, dans le silence, nous te confions, Seigneur, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Reçois nos prières, toi qui nous écoutes. Nous te louons pour ton amour. Et ensemble, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous te disons ces mots qui rassemblent les chrétiens du monde entier. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce culte touche maintenant à sa fin. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, maintenant, aujourd'hui, demain, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen.